Mais oui, mon bon ami. L'inauguration a été un succès. Toute la presse de la capitale en parle et... De quoi, l'incident? Oui, une illuminée. On l'a juste évacuée. Elle dort au centre de police à l'heure qu'il est. Oui. La tempête de sable noir. Je t'avoue que ça m'intrigue, mais je suis égyptologue, pas météorologue. L'épidémie? Elle est au sud du pays, on n'aurait vraiment pas de chance qu'elle arrive au Caire. Oui, c'est vrai. Et puis aussi, il y a... 30 secondes, s'il te plaît. Qu'y a-t-il, Tarek? Vous avez deux personnes qui vous demandent en bas. Oui, eh bien, dis-leur de prendre rendez-vous la prochaine fois. Je suis occupé. Il s'agit de Monsieur Sanders et de Madame Anton. Ah, eh bien, il fallait commencer par là, Tarek. Ça change tout. Allô, Eric? Oui, je te rappelle dans la journée, j'ai un petit imprévu qui vient d'arriver. Oui, voilà. Allez, à plus tard, mon ami. Allez, ne les faisons pas plus attendre. Linda, Yumna, ça pour une surprise. Vous auriez pu appeler, bande de sacripants. Désolé, Wallace. Nous passions juste devant le club et nous souhaitions vous faire une surprise. Ah, d'habitude, je ne suis pas très surprise. Mais là, c'est une joie de vous revoir. Venez dans mon bureau. Je puis vous proposer quelques rafraîchissements. Avec joie, Wallace. Avant ça, si possible, pardon de vous importuner, mais vous pourriez m'indiquer les sanitaires, s'il vous plaît? Évidemment. Donc, vous prenez ce couloir et débouchez dans la pièce principale et c'est au fond à gauche. Il y a des petits panneaux. Ah, je vous remercie. À tout de suite. Marwa, tu me reçois? Très bien. C'est bon, Marwa, j'y suis. Malik, à toi de jouer. Et c'est parti. Et voilà, les caméras sont brouillées, tu as moins de 2 minutes. Ok. Donc, l'anque est juste ici. Bon, Malik, est-ce que tu peux désactiver la sécurité de la clé? Uniquement la clé. De la clé repère X55Y23. Désactivation dans 10 secondes. Elle sera désactivée pour une durée de 10 secondes. Fais vite. Ok, bien reçu. Allez, c'est parti. Voilà. Ouh, c'est bon. Marwa, je l'ai. Ne bougez pas, madame. Restez où vous êtes. Mais merde. C'était trop beau. Pas un geste. J'appelle la sécurité. Mais qu'est-ce qui se passe? Ne t'en fais pas. Je lui ai juste lancé un choc psychique. Il va rester inconscient quelques minutes et aura perdu tous ses souvenirs des 2 dernières heures. D'accord. Vite, planquons-le derrière le comptoir. Attends, j'entends du bruit par là. Ils vont arriver. Putain, on était si proches. On a encore une carte à abattre. De quoi? Je suis désolée, Yumna. Mais de quoi tu parles? Mais je te remercie, au nom d'Anubis. Marwa, qu'est-ce que tu fais? Non! Yumna? 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 Hey, Yumna! Ah, tu es là. Putain, ma tête! Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez perdu connaissance, Yumna. Une extrémiste a pénétré l'enceinte de l'établissement et vous a assommé, vous et un de mes employés. Elle clamait haut et fort que ces reliques n'ont rien à faire ici. Elle est en route pour le poste de police. D'accord, je vois. Non, ne bougez pas. Je vais vous chercher un remontant. Plutôt thé, café ou jus de fruits? Un café, s'il vous plaît. Très bien, je reviens. Il s'est passé quoi, Malik? Marwa a décidé de se sacrifier pour que la mission soit un succès. Et pour que vous soyez levé de tout soupçon. Bon sang. Vous pensez qu'elle va s'en sortir? Elle va prendre au moins 2 ans de tôle. Mais ne vous en faites pas. Elle a déjà connu bien pire. Au moins, elle aura l'esprit serein en sachant la mission réussie. Elaina, je m'en veux tellement. Elle va passer 2 ans au trou par ma faute. J'aurais pu la rejoindre, mais...
quand même. T'en fais pas, Yumna, Malik l'a dit. Elle a choisi de le faire sciemment pour que la mission n'échoue pas, et aussi pour te sauver. Putain, je m'en veux, juste m'en veux pour elle. Je suppose que tu voudras la revoir. Ouais. Bon, en attendant, t'appelles à Cosette avec Renfield. Je vous attends dehors. Je vais prévenir Darius pendant ce temps. Nous irons remettre Lang dans son temple cette nuit. Ok, Malik. Merci. Je t'en prie. Voilà, un café pour la grande blessée. Merci, Wallace. Vous me paraissez bien morose, ma petite Yumna. Tout va bien ? Oui, tout va bien. Clé de nouveau sur son socle. Je fus le pharaon qui vit la clé être forgée. En mon nom et au nom de toute l'Égypte, je vous remercie d'avoir rendu Lang à son véritable domaine. Nous avons réussi. Ouais, mais la prochaine fois, ne prenez pas quelqu'un comme Jomana pour ce type de mission. Ça évitera de mettre dans la merde deux égyptologues qui n'ont rien à voir dans l'affaire. Nous y penserons. En tout cas, au nom d'Anubis, nous vous remercions pour votre aide. Nous effectuerons un virement sur vos comptes bancaires demain, en guise de dédommagement. Pas de soucis. Ouais, d'accord. Malik, tiens-nous au courant quand Marwa sortira de tôle, d'accord ? Ouais, bien sûr. Merci. C'était Ankh, une fiction audio scénarisée par JLC, relue par Adelix, Eolas et Richult. Réalisé par Richult et Erika dans le cadre du concours de la saga de l'été 2020. Cette fiction a été produite par la team Javras. La pochette est illustrée par Elsen. Avec Melectric dans le rôle de Yumna Antun. Vous voyez, c'est ça le problème avec lui. Reshkaf, Lyndall Sanders. Quelle attention charmante. Erika, Marwa Ghanem. Et actuellement, vous pensez que je suis allumée ? Kwame, Wallace Renfield. Ce petit incident est clos, la soirée continue ! Aurin, Malik Asker. Emplacement de la clé, repère X55, Y23. Désactivation dans 10 secondes. Blast, Darius Alassaf. Je suis le dirigeant de la griffe d'Anubis. Richult, réceptionniste. Hôtel Altaïr, bonjour. Et la sécurité. Ta gueule. Kélian, chauffeur de taxi. Le Caire, ça fait une trotte depuis Washington. SDA, videur. Monsieur, madame, bonsoir. Fanny Como, la serveuse. Un rafraîchissement, monsieur dame. Jilin, Jomana Shadid. Infidèle. Shindalex, pharaon. Je fus le pharaon. Zu, Emily et Julien, les journalistes. Dans l'actualité de ce soir. Flash info maintenant. Tout de suite, notre envoyé spécial. DLC, Tarek Lichour. Ne bougez pas, madame. Restez où vous êtes. Les bruitages sont libres de droit, la musique est de Keiji, à part celle dans la discothèque. Plus d'infos sur notre site. Tous les participants ont été rémunérés. Vous pouvez retrouver d'autres fictions audio sur javras.fr, nous suivre sur nos réseaux sociaux et soutenir la team Javras sur tipeee.com/javras. Johnfield ? Ouais, c'est bien ce que vous pensiez. Sanders et Antoun étaient dans le coup. N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider via Tipeee.